Salut les filles, donc je me montre à vous juste 5 minutes. Je vous tourne mon rangement make-up parce que je l'ai rangé il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez voir le nouveau depuis ma page, depuis ce qu'il y a sur ma page, on va commencer tout de suite. Donc je vais essayer de me reculer un peu. Tout d'abord, il y a cette commode que j'ai récupérée chez ma maman. Donc voilà, avec le grand miroir. La petite fleur, mon rangement pour les colliers, mon Buster Toilette, mon rangement pour mes colliers. Donc celui-ci j'ai acheté hier parce que j'ai toujours voulu un en perles, mais un vrai ça coûte un peu cher. Il y a mon collier Guess, il y en a encore un que j'ai acheté hier, c'est celui-ci. Donc voilà, celui-ci que ma maman m'avait offert, celui-ci le sautoir que j'adore. Donc voilà, mes parfums, donc mes parfums de marque, hein, parce que les autres sont en bas. Donc il y a la Lienne, celle-ci est vide, mais j'en ai une autre en bas qui est presque vide aussi d'ailleurs. Le Hugo Boss que j'ai eu à Noël de la part de mon frère et de ma belle-sœur. L'Angel que j'avais eu une fois de ma maman. Et bien sûr ma petite robe noire que je viens de recevoir pour mon anniversaire de ma bibiche. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui viennent de ma bibiche. Comme ceci par exemple. Donc ça c'est. Ah, allez, je vais être gentille, je vais vous le montrer parce que vous êtes sage. C'est un petit cadeau qu'elle m'a fait pour ma coiffure pour le mariage. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Et voici ce que c'est. Donc pour celles qui connaissent, hein, c'est le peigne que Bella a pour son mariage dans Twilight. Et elle m'a fait la super surprise de m'offrir ça, vu qu'on est fans toutes les deux. Donc voilà. Ma boîte à bijoux Twilight, que c'est elle qui m'a offert aussi, qui fait de la musique. Bon, c'est le clair de lune de Pussy, pour celles qui ne savent pas. Et dedans, je mets comme mes petites boucles d'oreilles que je mets quasi tous les jours. Et mes bagues que je ne sais plus mettre. Dans le tiroir, je crois même qu'il n'y a rien. Non, je trouve que. Des petites crasses. Donc voilà, ici c'est mon porte-alliance pour le mariage. Donc comme elles sont dedans, je vais pas vous les ouvrir parce que mon chéri veut pas que je les montre. C'est comment dire, c'est une boîte à cadeaux qui vient de chez Claire's et je me suis dit plutôt que d'acheter un coussin dans les 20 euros, ça m'est revenu à 2 ou 3 euros. Donc voilà, mon pot Mumu avec mes brosses. Alors dans le premier tiroir, c'est pas vraiment du make-up, c'est un peu du bordel. Ici, il y a la boîte de ma caméra, mes pochettes d'Héroïl Technique. Donc, bon, j'ai un seul essie qui m'a été offert toujours par Bibiche. Mes top coats pailletés, les vernis, ça c'est des craquelés. Oui, craquelés. Les magnétiques. Alors, ici, c'est les soins, les top coats, les bases, les liners. Et ensuite, il y a tous mes vernis classiques. Donc, il y a du Action, enfin du Max Cosmétique, du ELF, Catrice, Color Nails, Essence, ELF encore, Max, le rimmel que j'ai eu dans la box de février, le Calvin Klein, le seul que j'ai. Et voilà. Donc ici nous avons la colonne que j'ai taxée à mon frère. Là en dessous c'est le cadeau que je vais offrir pour le mariage à mon témoin qui est ma belle-sœur. Donc mes mouchoirs en papier, bon, c'est des Hello Kitty mais parce que j'ai trouvé ceux-là sinon j'en aurais des autres. Une petite bougie, du bordel et du bordel, mes limes à ongles. Un petit panier ici avec ma laque, 3 déodorants, l'œil de Folaz, mon eau micellaire de chez Sephora, une bouteille de shampoing pour les pinceaux que je fais moi-même d'avance, des cotons, un lait démaquillant, une pince. Voilà. Alors, dans le premier tiroir, ce sont tous mes fards crème. Donc, faut juste que je trouve un système de. Coincé un peu. Bon,
Donc on a du Emma, ici tous les Catrice, Essence, PV, oui. ELF, les duos, Incolore Tattoo, Gauche, Agnès B. Les ELF, d'ailleurs, hein, je vous ai déjà signalé qu'ils avaient changé de taille, donc faites attention aux prochaines commandes. Là, c'est trois que j'avais eu à Noël par mon frère, enfin par mon plus jeune des frères, de mes frères, dans une valisette. Voilà. Dans le deuxième, c'est toutes les fards solo. Bon, à part les quatre ici qui étaient dans la mallette aussi, mais je m'en sers pas parce qu'ils ne sont pas pigmentés du tout. Ça, c'est un trio de chez Max Cosmétiques. Ici, on a les pigments New York Color. Un petit Maybelline que j'avais gagné dans un concours. Mon premier fard à paupières que j'avais piqué à ma maman. D'ailleurs, elle me l'a donné parce que le. J'arrive pas à l'ouvrir. Enfin, bref. Le doré, elle l'avait terminé, donc elle m'avait donné le gris. Ensuite, il y a toutes les ombres ELF, les ombres minérales, donc les pigments, hein, en quelque sorte. Toutes mes ombres Catrice solo, les fards solo ELF, un Sephora. Ici, c'est les fards. Encore des fards solo ELF, Essence et mes deux duos Kiko. Voilà. Ensuite, ce sont tous mes quads. Donc ELF, celui qu'on fait nous-mêmes, ELF, Max Cosmétiques, Kiko, Essence, Catrice, le Vera Valenti de la box. Voilà. Ensuite, c'est mes palettes. Donc Naked 1, Naked 2, la Dark Shadow, la Vis Palette, deux palettes sans couleur de ELF, j'ai la normale et la marbrée, et au fond j'ai une palette Miss Europe. Voilà. Ensuite, c'est tout ce qui est paillettes, donc un rouge à lèvres pailleté, des paillettes pour le corps et le visage, ça vient de chez Claire's, ça je ne sais même plus. Ça venait avec ça, des crayons, des rouges à lèvres. C'était un kit argenté et un kit doré qui venait de l'Aldi. Ma palette de glitters Claire's. Ça, j'ai trouvé aux Action. C'est toutes des petites paillettes. Il y en a en forme d'étoiles, de cœur et tout ça. Et ensuite, dernier tiroir intéressant, c'est tout ce qu'il y a pour mes ongles. Donc mes éponges pour les dégradés, mes aimants, du journal pour faire une manucure journal, tous mes stickers que j'achète aussi bien dans les trucs donc que dans les. Ça vient des trucs de déco. Donc voilà, mes deux carrousels, des œillets, des étiquettes pour faire les trucs. Ça, c'est mon kit de stamping. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la commode qui est comme ceci. Enfin, c'est un bureau, c'est pas une. Donc voilà. Alors, ici au-dessus, j'ai mes deux pots avec mes crayons et mes jumbo. Donc, il y a du Claire's, du Max, du NYX que je viens de recevoir. Essence, ELF, Essence, Sephora. Voilà. Ici, ma petite fée clochette. Voilà. Mon recourbe cils, mon désinfectant pour les mains, ma palette Benefit, l'heure. Mes rouges à lèvres préférés, ce sont ceux-ci. Enfin, ça, c'est les quatre que j'utilise le plus. Ça, c'est les autres. Ici, j'ai tous mes crayons à lèvres, donc mes jumbo et mes crayons contour des lèvres. En dessous, c'est tous mes feutres. Pas tous, j'en ai quatre. J'en ai un PB, deux New York Color et un Catrice. Baume à lèvres. Ici j'ai le Zipzapper qui est très bien pour les boutons, mon shampoing pour les pinceaux, mes bases donc ELF, Urban Decay, Essence, NYX qui était dans la palette, le petit liner NYX qui était dans la palette aussi, mon mascara Essence et celui de chez Max puisque c'est celui que j'utilise le plus, mon crayon Sephora.
mes quatre rouges à lèvres préférés. Donc il y a deux élèves, un essence, un catrice. Mon blush baby doll, un toy crayon essence, mon kabuki, les palettes que je dois vous faire un make-up avec avant de les ranger, ma bébé crème et ma crème de jour. En dessous, c'est tout ce qui est pour mon teint quotidien. Donc, c'est trois correcteurs. Celui-là, il faut que je le finisse. Je l'ai dépoté. C'était un roll-on de chez Garnier. La crème camouflage de chez Catrice. Celle de chez LF, la nouvelle, elle est très bien, à 2,50 € et elle est très bien. La poudre LF, le roller plastique. Et ici en dessous, c'est tout ce qu'il y a pour mes sourcils. Donc un petit rasoir électrique, le mascara, un goupillon, un peigne, deux crayons et mes fards Catrice. Voilà. Mon appareil photo ici, pour quand je vais vous prendre des photos. Mon petit set de table même. Mes cotons-tiges cosmétiques de chez Carrefour. Et mon miroir à bijoux que j'ai eu à Noël par mes beaux-parents. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir juste pour celles qui ne le connaissent pas, sans me péter les ongles. Voilà. Donc voilà. Dans la porte, j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles pendantes. Mes bracelets. Enfin, à part ces boucles d'oreilles-là qui sont un peu grandes pour brancher ailleurs. D'autres boucles d'oreilles, ma montre et encore d'autres boucles d'oreilles. Donc voilà. Au-dessus, il y a le néon, sans vous éblouir. Une petite carte envoyée de ma tante qui habite en Espagne. C'est comme j'ai démarré, je l'ai mis là. Les vampires d'Iaris, qui sont jamais loin. Donc ici, c'est comme ça que je vous tourne mes vidéos. Donc je mets ma caméra ici au-dessus. Le petit bout de papier là, c'est pour qu'elle tienne droite parce que sinon elle est un petit peu penchée. Mon miroir en forme de cœur qui plaît à quelques personnes. Bon, pour l'instant, les supports c'est provisoire. Je vais essayer de trouver une autre solution parce que ça prend de la place. Et donc, mes pinceaux. Donc, ici, c'est tous mes pinceaux pour le teint. Donc, principalement de l'huile technique. Il y a du LF, pinceau essence. Et puis pour les yeux, ben c'est l'huile technique, hein, bien sûr, ELF, et bien évidemment, et Emma. C'est les pinceaux fluffy que je préfère. Donc voilà. Ensuite, pour le premier tiroir, le petit ici, c'est mes rouges à lèvres et mes gloss. Ici, c'est les soins. Là, les rouges à lèvres, que j'ai en plus que ceux-là. Donc la suite des rouges à lèvres à 1 euro puisque je les ai tous. Là encore ELF. Là c'est Max. Voilà. Mes gloss. Donc il y a Essence, Calvin Klein, PB, Jerry Mugler, encore Essence. Voilà. Dans la porte, je n'ai pas grand-chose. C'est un peu du bordel. Là c'est mes petits torchons, mes petits essuies pour essuyer mes pinceaux. Là, il y a mon fer à lisser que j'utilise très rarement parce que je ne me sèche pas les cheveux et je ne me lisse que très rarement les cheveux. Mon stock de lingettes pour les swatchs, de coton-tige. Et là, c'est tous les contenants que je récupère pour dépoter si j'ai des choses à dépoter. Donc, le grand tiroir pour terminer. Qui s'est un peu vidé puisque j'ai mis dans ma colonne ici. Donc ici on a tous les liners. Donc Max, Agnès B, Essence, LF. Les fonds de teint. Donc Essence, L'Oréal, Catrice. Et il y a celui de ELF au fond. Si je vais pas vous l'attraper. Voilà, ELF. Tous mes mascaras, donc Belle, je mets Max, encore je mets, ça je ne sais même plus d'où ça vient, regarde, c'est tout moi, c'est un Miss Europe. Voilà, le doré et l'argenté qui faisaient partie du kit. Crème hydratante et les bébés crèmes, Agnès B, Nivea, Essence. Donc ici, c'est tout ce qu'il y a pour le teint.
Donc un correcteur de grande surface qui c'est de la merde, hein, ça a mis sur repoussing mais il n'est pas terrible. Mon highlighter essence, mon bronzer ELF, donc le fard marbré, le blush marbré de chez ELF que moi je me sers comme highlighter parce que, voilà. Un fond de teint compact de chez Max, un cover stick, la poudre libre de chez Catrice, la poudre compacte de chez Catrice, celle qu'il y avait dans ma boîte, l'highlighter essence en crème et ma base de teint Catrice. Ensuite, bah là au fond, il y a quelques blushs, mais je ne m'en sers pas. C'est un que tout au bout là-bas, c'est un que j'ai dépoté, que j'avais combiné deux couleurs parce qu'il était vraiment trop clair. Là, c'est ceux que j'avais eu dans le truc, mais ils sont vraiment pas pigmentés non plus. Donc ici, bah, on a presque tous ceux de chez ELF, de la gamme Studio. Il m'en manque un ou deux, mais il ne m'intéresse pas plus que ça. On a mes deux Catrice. Mon Sephora, le ELF en crème et un PB liquide. Et voilà. Donc je vous fais une vue d'ensemble du tiroir. Et voilà. Donc j'essaye de vous montrer un peu plus ce que ça donne. Voilà, ça c'est mon rangement make-up. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées de rangement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!